Bonjour à tous et à toutes sur la et bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. La dernière fois, nous avons enfin pu traverser la vallée brumeuse pour atterrir ici dans la ferme où Lund avait retrouvé sa maman. On a fait quelques activités de jardinage, à savoir combattre des cailloux, des souches d'arbres, même des buissons, un gros caillou. Et nous sommes plutôt allés prier je ne sais plus quel dieu pour les bonnes récoltes. Sauf que en revenant, hélas, la maman de Lend, dont j'ai oublié le prénom, ce qui est quand même pas mal, a disparu et nous avons combattu pas loin de la mort d'ailleurs, un apôtre de l'église de Saint-Eva. Et maintenant nous devons nous rendre à l'église de Saint-Eva car peut-être que sa maman a été enlevée. Sauf que nous ne pouvons y aller parce qu'il faut un engin volant. Et un engin volant, vous savez que c'est 90% des déplacements qui vont être annulés. Et pour cela, j'ai regardé la soluce parce que je suis un salaud. Je ne sais plus la ville. Je vous expliquerai. Cependant, j'ai fait une petite demi-heure de farm. J'ai acheté pas mal d'équipements pour l'End et tout le reste. Donc déjà, l'End a... Alors je lui ai juste pris un casque en plus. Botch a son arc en glace. Et Ekal a la rapière de foudre. Je vais cependant changer cette équipe de bras cassés. Parce que clairement c'est bras cassés. Et je vais prendre avec moi Nina. Parce que Nina, la magie, c'est trop bien. Je vais reprendre Sten et je vais prendre Kat avec moi, à savoir que c'est le trio gagnant. Moi je joue qu'avec cela maintenant. Normalement c'est bon. Et je vais me rendre là où je dois aller. D'accord la musique? Très bien. Sors. Ah, la musique n'est pas la même, donc je ne m'en souviens plus. Et je n'ai pas le bon sort. Est-ce que j'ai pas le bon sort? J'ai pas le bon sort. On revient. Parce que j'ai pas le bon personnage. Voilà, ça arrive, hein, excusez-moi, ça... Non, en fait, toi, ça va prendre 4 secondes. On va garder Nina, on va garder... Oui, on va prendre Sten et on va prendre... qui c'est qui a déjà... Est-ce que Ekal, je le prends? Allez, je le prends pour l'XP. Parce que c'est aussi lui qui a le sort en ville. Parce que quand on arrive en ville... Alors, Ekal, c'est parti en ville. Et on va retourner à Ventia. Parce que Ventia, vent, tu comprends, bâtiment volant. Voilà, ce genre de petites choses là. Ah, tu sais, on nous a dit de jamais revenir, mais c'était il y a 10h, 15h de jeu. Et d'ailleurs, nous allons nous mettre avec Nina. Ventia est appelée la ville qui conduit au ciel, oui, mais c'est pas ça que je veux savoir. Moi, ce que je veux, c'est aller tout en haut, c'est-à-dire ici. Ah, je suis désolé, mais personne n'est autorisé à pénétrer dans l'enceinte du château pour l'instant. Pouvez-vous prévenir le roi que Nina est revenue? Nina, ça me dit quelque chose. Je dois demander quelque chose au roi, s'il vous plaît, laissez-moi le voir. Nina, qui êtes-vous? Laissez-la passer. Enfin... Laissez-la passer. Ma reine, mais... Vous pouvez laisser passer, venez. Les voix féminines, vous savez, c'est toujours un désastre. Il y a une légende à propos des ailes noires, Ventia. Il dit que lorsqu'un enfant est né avec des ailes noires dans une famille royale, ça alors, c'est Nina. Oh, c'est fou. Le pays connaîtra des ennuis. Afin de protéger le pays, l'enfant né avec des ailes noires doit être tué. C'est la loi. On est sur des bonnes lois. Très bonnes lois, même. Mais nous ne pouvions pas faire cela. Nina, nous ne pouvions pas te tuer. Parce que tu es différente. Nous avons dit à tout le monde que tu étais morte. Ensuite, nous t'avons emmené à l'école de magie d'origine. Ah bon, d'accord.
La raison pour laquelle nous t'avons interdit de revenir au château est parce que nous voulions te protéger de ceux qui connaissent la légende. Néanmoins, maintenant, le roi est tombé malade. Il tient vraiment à te voir. Nina, et pas seulement le roi. Moi aussi. À mon équerre. Maman! Nina, tu es devenue une magnifique jeune femme. Est-ce qu'on chiale ou c'est bon? Vas-y, Nina. Le roi, ton père, t'attend. Viens, maman. Je veux dire, maman, je m'en fiche. Alors, avant d'y aller, parce que ce château, je me suis fait jeter comme un malpropre la dernière fois, c'est-à-dire quand j'étais niveau 10, c'est une très belle prison. Assez bien, on avait une musique triste, et là, petite musique joyeuse, tout va bien. Depuis longtemps, les habitants de Ventia ont de grandes ailes, et ils peuvent se changer en oiseau quand ils le désirent. C'est trop bien, mais j'aimerais bien voir la salle avec les coffres. Frère! Eh! Ah, ça je connais, ça je crois j'y suis déjà venu. Ok, alors ça je veux pas y aller. Non, parce que si je dois y aller, je vais pas être content. J'explore, hein, laissez-moi ce plaisir. Yozo, d'accord, Yozo. Ah bah c'est la prison, ok, c'est la prison où j'étais. Moi je découvre, tout va bien. Là c'est une petite maison. Une maison dans le château. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai obtenu une médaille. Trop bien, je sais toujours pas à quoi ça sert. Un soin bleu. C'est bien ça, les soins bleu. Même si je dois rester un oiseau pour le reste de mes jours, je dois vraiment devenir un oiseau. Quoi? Mais tu peux être un oiseau. Oh non, il y a un coffre. Oh non, il y a un coffre et il est coincé entre deux fenêtres que je pourrais habilement passer si je me mets dans la largeur de mon corps. Michel. Michel, casse-toi. Michel, casse... Oh, Michel, t'es chiant. Bon, ça, je sais où ça mène à droite. Montons les escaliers. Alors, ça, c'est au bout de prison. À partir d'ici, c'est la tour des rites. Elle ne peut être utilisée que pour des cérémonies exceptionnelles. Sans déconner. Ne me dis pas que je dois y aller à un moment. Ça serait ballot. Et là, je suis encore quelque part. À fouiller. Parce que j'aime bien fouiller. C'est le principe même du RPG, fouiller. Même dans la plus petite brindille se cache une énorme épée extrêmement rare. Là, c'est un bout de prison. Si je vais par là, c'est quoi? C'est la chambre du roi, c'est la chambre du roi. Allez, on y va. Balek. Le roi se repose dans sa chambre. Bah, très parfait. Elle est où sa chambre? Est-ce que je l'ai ratée? Est-ce que je suis teubé? C'est une magnifique statue. Hein. Ça commence à me rentrer dans la tête la musique là par contre. On va essayer de faire vite. Ah bah voilà. Bonjour, bonjour. Priez Saint-Eva pour guérir le roi. Une goutte, trop bien. Père! C'est toi, est-ce toi Nina? Oui père, c'est Nina. Oh Nina, tu m'appelles encore père, après ce que je t'ai fait. Dans le passé, et si il reprenait une décision, c'est qu'on ne pouvait pas laisser cet enfant en vie. Que vas-tu faire, Danina? Vous devez l'abandonner. Le destin est le destin. Voix de vieille survent. Alors, tout est en flashback sauf le feu. Dommage. Un enfant avec des ailes noires. Comment cela se peut-il? Chérie, non, si, s'il vous plaît. De grâce. Sire,
Un enfant avec des ailes noires causera des malheurs. Vous ne devez pas oublier la légende. C'est pour le bien de Ventia. Je suis machiavélique. Et je suis vieille. Ah, que dois-je faire? Ah, Mina. Et pas dans les pommes, non, même pas. Père. Mais elle a les yeux, elle a les yeux, les ailes blanches là. Enfin, claires. Père. Regardez, père, j'ai des ailes. Mais elles sont pas noires. Arrêtez de vous foutre de moi. Ah. Qu'est-ce que c'est, père? Pourquoi faites-vous une tête pareille? Père, père. Et... plus rien. Et le but noir. Ah, je ne pouvais pas te protéger. Ah, je t'ai envoyé aux origines pour que tu ne sois pas tué. Je suis un horrible père. Tu devrais me détester. Non, père, je ne vous déteste pas. C'était difficile de vous dire au revoir à vous et à maman. Maintenant, j'ai des amis merveilleux. Des compagnons de route, s'il vous plaît. Nina, je vais décéder. Je fais super bien le décès. Oh, majesté, il tremble. Sire, il est maintenant temps de répondre aux enseignements de Saint Eva. Il est temps pour tout le monde de prier pour le roi. Majesté, si nous répondons aux enseignements de Saint Eva, vous irez mieux. Je peux toujours pas être d'accord avec ça. Pourquoi pensez-vous que les enseignements de Saint Eva soient mauvais? Je peux pas faire le vieil évêque. Non, les enseignements de Saint-Emma sont formidables. Néanmoins, n'est-ce pas mauvais, venant. N'est-ce pas mauvais, venant de moi, le roi, de forcer les autres à ses croyances. Erk. Je vous remercie pour vos recommandations, messager. Mais je n'ai pas l'intention de faire les enseignements de Saint-Emma. Les enseignements de ce pays. Il n'est pas content. Oh, roi de Ventia, vous le regretterez. Oh, les enseignements de Saint-Emma se répandent à travers le monde. Vous n'avez rien à y gagner en faisant de nous vos ennemis. Je n'ai pas besoin de prière. Après tout, cette merveilleuse fille qui est mienne est venue me voir. Merci, Nina. Papy, j'ai l'air. J'ai rigolé comme un con en disant ça. Pouvez-vous ouvrir la porte du sous-sol? Quoi? Vous n'avez pas l'intention d'utiliser les pouvoirs de cette chose? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Or, si vous utilisez ces pouvoirs, vous ne pourrez jamais redevenir une humaine. Je ne le permettrai pas. Ah bah oui, s'il vous plaît. Essayez de comprendre. Enfin, de sauver père, non. Le monde entier. J'ai besoin de ces pouvoirs. Ah, c'est difficile pour un vieil homme comme moi de comprendre quelque chose de compliqué. Ah, mais je crois en vous, Nina. Je vais leur faire ouvrir la porte. Merci, papy. Dans le sous-sol de ce château, les pouvoirs du grand oiseau sont scellés. Si je deviens le grand oiseau, je pourrai emmener tout le monde à Église Eva. Trop bien. En route, tout le monde. Eh bah, go. J'ai pas sauvegardé mes balèques. Je peux sauvegarder. Alors, est-ce que c'est là? À partir d'ici, c'est... Oui, bon, ça, on s'en fiche. Ok, donc il faut que je descende. Mais avant de descendre, je vais peut-être faire une sauvegarde. Frère, je n'ai jamais pensé que Nina pourrait amener le major. Ok, donc toi, tu t'en fiches. C'était cette porte. Et puis cette porte là-bas. Et puis ici. Et puis. Michel, tu me fais chier. Alors. Je suis dans le dédale. C'est mystérieux, mystérieux. Est-ce que c'est bien là au moins? Est-ce que c'est bien là que je dois aller? Je suppose que non. Mais ça se trouve, je vais me perdre. C'était pas là. Ça se trouve, c'est pas là ou du tout. Je suis en train de faire n'importe quoi. Il y a des gens qui vont m'incendier. Je suis en train de me perdre. Au secours. Ok.
t'étais pas là du tout, en fait, n'est-ce pas? C'était là, n'est-ce pas? C'était juste au-dessus. Non. Je suis perdu. Au secours. Au secours, je m'ai perdu. Mais comment ça se fait que je me perds? Oh là là! C'est honteux ce qui se passe. C'est beaucoup trop honteux que ça mérite une ellipse. Je pense qu'on va faire ça. Ellipse pour savoir où je dois aller. Allez, c'est parti! Bon, je sais où aller. Alors, c'est tout bête. C'est-à-dire que je n'ai pas bien retenu le plan. D'ailleurs, la solution aussi s'est perdue pendant 10 minutes, je tiens à le dire. En fait, c'était ici. Ça, j'ai oublié. Qu'est-ce qui se passe qui vous autorise à aller dans le sous-sol? Bah, le roi. Et donc là, on est dans le sous-sol. Ai-je raison? La cave ciel. Je ne sais pas ce que j'ai trouvé, je ne sais pas comment je vais réagir. Je le sens. Bah, je le sens pas bien pour commencer. Voilà, y a deux chemins, ça y est, c'est fini. Belcuria. Alors, très bien, Nina, la défense. Aux oubliettes, mais... Monstre faible. Monstre très faible. Est-ce que Nina, je l'ai équipé de quelque chose? Est-ce que je t'ai équipé de quelque chose de bien, toi? Rien du tout. Rien du tout. Bah, tu es faible, Nina. Ah, des gargouilles. Ah, sort de zone. Quelle belle surprise. Par contre, tout le monde résiste assez bien au sort. Ça me rassure un peu. Et les monstres n'ont pas l'air très très forts non plus. Ça me rassure un peu plus. Par contre, ils ont l'avantage de la vitesse et ça c'est pas génial. Nina 29, elle est pas ouf niveau défense, je me rends compte que maintenant. Putain, 5000 d'XP, pas mal. Pas mal du tout. Je vais... Putain, qui c'est qui a des sorts de soins? Nina, là... Bah non, c'est moi qui ai des sorts de soins. Chier. Bon, jusqu'à maintenant, ça m'a servi à pas grand-chose. Mais quand même... Je vais continuer, je sais pas où. Ça se trouve, je vais peut-être me perdre à un moment. Attends, Nina a des sorts, autant qu'elle utilise ses sorts. Ah oui, d'accord. Bon, 36 sur Eka, le. Pas très glorieux. Il cale tellement dans la mer. -49, c'est nul. Bon, du soin, à la limite ça je m'en fiche. Ah bon, ça va. Ça, je sais que j'ai pas grand chose à craindre. Petit monstre qui attaque deux fois. Donc, on est sur... Pardon, excusez-moi. Combien? 57. Aïe. Ça fait mal. Un peu beaucoup d'ailleurs. Bon, heureusement que j'ai encore quelques objets de soins. Pour tout le monde, en fait. Bon, je suis revenu à 12 000, c'est déjà ça. Alors, un sur toi, un sur toi, un sur toi. Et Sten... Oh, Sten, il peut encore survivre un petit peu. Je le sens bien, Sten. Sten, le survivant de l'enfer.
On va descendre, je pense, un bon moment. Alors, Balkuria. Alors, Balkuria, voyons. La gargouille, Nina. On va tenter en froid. Et normalement, avec juste Sten et Eka, je devrais pouvoir tuer la Balkuria. Petite riposte. Bon, bah, problème réglé. S'il y a riposte, c'est tout bénef. Petit critique, très bien. C'est XP bien dans cette zone. Ça se trouve là, c'est une zone tout optionnelle, pour, juste pour récupérer un coffre. Je le sens venir gros comme une maison. Et j'ai le flair pour ça. Ah bah deux coups, bah très bien, bah double riposte. Impeccable. Alors par contre, le sort sorti en donjon, il m'a servi qu'une seule fois. Je n'en avoir la réflexion que maintenant. Donc, est-ce que c'est un sort super utile? Je ne crois pas. Qui c'est? Toi et... Bon, pas toi. Allez, un coup sur lui. Alors, attends, là, il y a des... Là, il y a encore des... Oh là là. Oh là là. Oh, ça sent les impasses nulles. Ça sent l'impasse nulle. La fumée, ça sert à rien du tout. Ah, j'ai esquivé une fois. Et une riposte. Allez, prendons les dents. Mais deux coups, mais non, mais n'importe quoi. Mais arrêtez, madame la juge. Je la sens pas du tout. Oh, j'ai pris le milieu. J'ai eu raison. J'étais sûr qu'il y allait avoir des impasses. Je le sentais venir. Je le nez creux. Je suis content. Pire soin 2, je m'en fiche. T'avances bien, ça avance bien. Et donc là, allez, tout droit. Ah, oh, je l'ai senti venir, je l'ai senti venir l'impasse. Tout sur la gargouille, Balkuria à la limite, pas important. Oh là là, mais ces esquives. Oh mais Ryu qui joue tellement bien. Le critique, il était pas sur la bonne personne, c'est dommage. J'espère qu'il y aura pas de gros boss. Ah, Sten 28, c'est bien, tout le monde prend un petit niveau. Pour le moment, il n'y a que Nina et Sten, mais je pense que tout le monde va au moins prendre un petit niveau. Donc du coup, c'est demi-tour. Je vais tenter, attention, le sort fumé. Voilà, c'est le sort fumé. A un peu marché. Ok. Je reconnais que ça a un petit peu marché. Elle m'a fait un 22 de dégâts. Je n'ai pas bien saisi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors que le double critique, c'est beau. 153 en critique pour Sten, c'est
Un très bon score. Et Kal, je vais quand même lui donner un soin. Pour le moment, ça se passe bien. Un pour toi. Nina le fait peur quand même avec ses 168 de PV. Et là, ça va être la succession, la remontada, la fameuse remontada, pour aller récupérer un coffre. Évidemment. Je l'ai senti. Allez, un bon coffre. Un orage BG. Je dirais que c'est une bague. Si j'espère que c'est pour toi. Bien vu, la bague orage qui rajoute un petit 30. 33 d'attaque. Et bah rien que ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, on va faire le chemin en sens inverse maintenant. Je vais me soigner, acheter quelques objets d'équipement. C'est pas ce que je voulais faire. Déjà, on va essayer de revenir au début. Donc, dès que j'en reviens au début, je cut pour vous. J'irai me soigner, prendre quelques objets de soins. J'ai bien envie de savoir combien elle met comme dégâts maintenant. Ça m'intéresse. Alors qu'un critique à 20. Alors combien elle met? 60. Petite amélioration quand même. À moins que je puisse faire un... Parce que j'y pense que maintenant... Eh ben non. Je peux pas sortir. Ne s'utilise pas ici. Ne s'utilise comment? Je sais pas comment... Je ne sais pas sous quelles conditions s'utilise ce sort, mais c'est bizarre. Et plus j'y pense, plus je me dis ça doit servir que dans de quelques rares occasions. C'est quand même con de faire un sort qui est censé te faire sortir d'un endroit alors qu'il ne marche pas et qu'il faut avoir une certaine condition. Je trouve le principe un peu bête. Alors que Ryu est 33, je pense que tout le monde a pris un niveau, donc c'est très bien pour moi. Je suis content. Ah, il y a des gens que je connais pas. Aïe. Combien? Ah oui. Ah mais pourquoi? On est tellement pas sur la même difficulté que j'ai eu tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais incompréhensible. Non, j'ai fait l'erreur. Plein d'erreurs. C'est tous... Ah bah d'accord. J'en ai eu un qui m'a fait un dégât monstre. Un casque en bronze. Ouais, maintenant c'est que je pense que c'est casque. Casque bronze, oui. Bah c'est un équipement que j'avais déjà acheté. Et tout le monde a un casque bronze. Ah non. Un masculine, c'est vrai que ça lui met un poil plus de dégâts. Ouais. Bon, bah, ce... Ok. Ça peut en valoir un peu d'argent. Je pense. Faudrait aussi que je m'enseigne sur à quoi servent les sous et les médailles, parce que ça m'énerve. Et je vais le dire à chaque fois. Attends, Nina, ma petite Nina, hein, tant qu'on est là, faisons... un très très gros sort de type vendeux. Ok, esquive incroyable. Bon, bah c'était joli. Voilà, c'est tout. C'est juste joli. Alors quand enfin il remonte, et c'est pas fini, c'est vrai,
Bon, ça va, je les connais. J'aurais peut-être dû faire un soin sur Nina, qui va peut-être... Non, même pas, nous t'a tapé un critique. Pas mal. Pas mal du tout. Bravo Nina. J'applaudis dès demain. Maintenant, j'aimerais surtout sortir sans problème de cet endroit. Parfait. Bon, la doublette. Oh, double impact, double esquive. Et le critique, 2 et 4 qui passe. Oh, c'est beau, tout se passe, mais d'une finesse et d'une chance. Jamais vu ça. Nina, à chaque fois qu'elle est sur le point de décéder, paf, critique, paf, esquive, droite, gauche. Bon, c'est un peu long, hein, quand même. Je vais refaire un fumé. Et c'est le double coup pour Sten. Allez, on est bientôt sorti. Ah là là, c'est long. Ouais bah fuite. Et j'ai raté, j'ai raté. Oh, il va y avoir un mort. J'ai raté, il va y avoir au moins 2 morts. Ouf. Ah bah voilà, un mort. Je l'avais prévu. J'avais prévu qu'il y allait avoir un mort. Je ne pensais pas que ça aurait... que c'était ça. Alors que froid fait un dégât de... un très mauvais dégât. Et Ryo est mort. Là je flippe un peu. Ils vont être que deux à prendre l'expérience, c'est honteux. C'est marrant. J'ai pas une herbe vie. Je crois que j'en ai racheté au moins quelques-unes la dernière fois. J'ai 2 gouttes lune, mais c'est pas ce que j'ai. Bah, il me semblait que j'en avais plus, tiens. Bon, une herbe vie. Pour Ryu afin d'être sûr, pensez à aller en racheter un stock bien bon, gros stock même. Oh, puis je le savais, je l'ai vu de loin et je me suis raté. Mais Eka, il a pas vie, Eka d'ailleurs. Bah non, il a pas vie, c'en est un autre qui a vie. Yeah, 3000 d'XP, trop bien. Allez, j'aimerais sortir.
Oui, l'escalier, parfait. Bien, eh bien, je vais couper ici et je vous retrouve tout de suite après le temps de me soigner, acheter des trucs. Et c'est déjà pas mal. À tout de suite. Et voilà, c'est allé très très vite. Bon, en vrai, c'est pas allé vite, mais pour vous, si. Je me comprends, ne vous en faites pas. J'ai pu racheter pas mal d'objets d'herbe-vie parce que je me suis souvenu que j'avais mis un peu d'argent, mais vraiment un petit peu d'argent, quelque chose comme 8000 balles en stock, en dépôt. Et c'est très utile, cette option de mettre de l'argent de côté. Donc, la partie du haut c'est fait, on va à gauche pour descendre. Encore plus et rentrer. Ok, je suis toujours dans la cave ciel. Je suis toujours dans la cave ciel, mais il y a de l'eau. Ah, voilà. Oh, oh, je m'attends à tout. Eh bien, Nina, est-ce que tu vas avancer et subir le test? Allez, de toute façon, j'ai sauvegardé avant. Dans ce cas, vas-y, Nina. Oh, what the f... Ok. Alors, attends, c'est quoi? Veux-tu retourner avec les autres? Non. Je suppose que je dois combattre les statues. Et c'est Nina qui va devoir tuer des gargouilles alors qu'elle a 0 point de vie. Aïe! Non mais là, là c'est terminé, Nina elle est bloquée. Nina est bloquée, voyez-vous, elle ne peut plus rien faire, à moins d'un critique. Ou à moins d'user tous les MP de ce mob. Oh là là. Oh là là, non mais c'est honteux ce qui se passe, non mais fuite. Bon bah Nina, hein, merci, au revoir. Oh, c'est terrible, je voulais voir te faire du bouche à bouche. Non, j'avais bien. Ah d'accord, donc c'était juste... Ok, bon. S'il y a juste Nina qui doit faire ce test, ça va, moi je suis prêt. Eh bien Nina, est-ce que tu veux avancer? Oui. Allez, blablabla, hop, téléportation. Eh bien dans ce cas, vas-y, ok. Donc... Et merde. Oh là là, ça va être long et chiant. Moi je vous le dis, ça va être long et chiant. Tiens, prends du froid. Mais c'est nul. Si je fais pouvoir sacré. C'est vrai que ces sorts, je les aime, mais ça fonctionne pas trop. Enfin, je sais pas dans quelles conditions ça s'utilise. Et bah, c'était nul. C'était bien utile, dis donc. Non, mais j'essaie de comprendre, je vous assure. Alors. Et bah, voilà. Ok. Donc, la mort. Alors, attends, on va se soigner. Je m'en fous, j'ai du soin. Tu ne seras plus jamais une humaine, ce qui revient à mourir. D'accord, et je dois entendre les avis de Jean-Michel... de Jean-Mi, très bien. Et ben, mort. C'est bien ce sort, dis donc. Très utile. C'est bien là où je devais aller. Oui, mais il y avait un coffre, donc je redescends. Un coffre qui me sera sans doute utile. Moi, je prends. Je vous assure, je prends tout. Au moins, je sais pas, c'est pas ce que je voulais faire. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Bon, ça va, hein. Oui, on va l'écouter souvent, cette phrase. Ne vous en faites pas, de toute façon. J'espère que vous n'êtes pas pressé.
Moi, pas du tout. Puis c'est bien, quand je meurs, au moins, je récupère ma vie. Et, enfin, ma vie, mes points de magie. Allez. Hop là. On patiente un peu, de manière à ce que... Ah, j'aurais déjà pu aller en haut, je suis idiot. Je suis un gros con. Oh, je suis un gros con. C'est moi. Heureusement que j'ai ce sort vraiment. Oh là là. Petit soin. Quand même. J'aurais dû racheter juste des herbes classiques. Je me fais la réflexion que maintenant. Une robe vent. Ah, est-ce que ça va augmenter la défense? J'aimerais beaucoup. Ça augmente de 20 points, la santé de 12. Un petit peu moins l'esprit, mais bon. J'aimerais juste qu'elle ait un poil plus de défense. C'est vraiment chiant quand ça arrive, ça. Des petits problèmes de son. C'est indépendant de ma volonté, je m'en excuse. Enfin, vous n'avez rien raté. Vous en faites pas. Est-ce qu'actuellement j'ai peur du décès par contre? Parce que c'est juste ce qui se passe. Hein. Si elle avait pas un... Si t'avais un sort quand même de soins, je me sentirais un peu plus rassuré. J'espère qu'il y a juste une seule salle. Il y avait un deuxième coffre et j'ai envie de le prendre. Du coup je vais le prendre et je suis un salaud. Je suis un salaud, oui. Donc tac. J'essaie de voir comment on peut l'avoir. Je prends tous les coffres. Ah, je vous le dis, hein. On va me détester. On va me détester. Mais au moins, j'ai ce sort. Ah, souffle-feu. Ça va, je résiste. Je prouve que j'existe. Est-ce qu'en bas, c'est pareil, il y a des coffres? Ce serait salaud. Ce serait très très salaud. Semble-t-il que non. Petit test. Non, y'a rien. Ok, s'il y a R, c'est bon. Oula, mais c'est chiant ça. Oula, mais c'est chiant. Ok, oh. Ok, faut que je fasse un certain nombre de pas. Sinon, je vais pas y arriver. Double coup, double péné, c'est pour moi, c'est gratuit. Oui, j'aime ça. J'ai pas une fumée qui traîne dans mon sac par hasard? Hein, juste comme ça. Ça me fume.
Je vous assure, je vais y arriver à un moment. Mais comment tu passes? Ah mais oui, c'est bon. Oh mais je suis bête. Ok, je l'ai. C'est moi, je suis un peu bête dans ma tête. Vous en faites pas. Ça arrive des fois. Je l'ai enfin. C'était tout bête. Alors que je vais encore mourir. Bientôt, ça continue. C'est cool. Ah, le zéro. Bon bah, tant pis. Je le savais. C'est pas grave. C'est pas grave. On va utiliser Ryu parce que de toute façon Ryu hein. Voilà, il sert pas à grand chose en ce moment. Mais cette fois je l'ai. J'ai le coffre. J'étais sûr de l'avoir. Ça m'énerve. Comment je l'ai eu la dernière fois? Je l'ai eu comme ça, d'accord. Ok, c'est bon. Je suis en train de tout se bousculer, puis je me suis dit ah mais qui est. Fallait aller en bas. Je l'ai, c'est bon, je l'ai. Et si je l'ai, c'est tout bon. J'espère que ce coffre en valait la peine. Lol. J'espère vraiment. Alors on va un petit peu d'ordre. Il me reste encore 9 herbes, ça va le faire. Tu es venu pour les grandes ailes. Ne sois pas si insolente, tu n'y arriveras pas. Si. D'abord. J'espère que c'est une bonne pièce d'équipement ou quelque chose qui ressemble. Allez, j'y crois mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que quoi? C'est quoi ça? C'est un objet de con ça. Augmente l'agilité. J'en ai besoin vu que l'agilité c'est ce qui me permet de bouger plus vite. Alors équiper. Ah ça m'a rajouté un petit plus 10 quoi. Et la ceinture héros elle me rajoutait. Ah plus d'attaque. Oui, plus d'attaque. Bah, je garde l'attaque. Bon, cette fois ça y est. Ça va le faire. Allez hop. En repassant en haut. On va là. Droite, gauche, terminé. Allez, ça va le faire. Ça va le faire, tac.
Hop, on attend que les cailloux et maïfs ils fassent leur vie. Alors que je fais tout tomber. C'est incroyable. Moi, je peux même aller y aller maintenant. Tac, tac. Allez, go, paf. On monte. Et c'était pas là. Oh, le boulet. Ah, vous pouvez m'insulter. La mémoire... pas encore ça, la mémoire. À un moment, je vais me concentrer. Je vous assure. Je vais me concentrer un moment. Déjà avec ce plus 10 de agilité, je le vois bien que je suis plus rapide. Est-ce qu'avec mes 140 points de magie ça va le faire? Je pense que ouais. De toute façon j'ai quoi? J'ai mes noix. 20 PM. Sans bouffe 2. Et go. Et c'est le boss. Ah bah voilà. Nous protégeons ces formidables pouvoirs. Pourquoi désires-tu les obtenir, Nina? C'est un magnifique chevalier rose. Afin de résoudre l'énigme de la tragédie qui risque de s'abattre sur ce monde, j'ai besoin de ses pouvoirs pour voler. Je vois, tu es en train de dire que tu vas sauver le monde. Oui. Ah, tu vois les choses en grand. Tu penses que tu peux sauver le monde à toi seul? Est-ce que tu penses sérieusement que tu peux y arriver? Je ne sais pas. Mais je ferai n'importe quoi pour protéger ceux que j'aime. Oh, c'est beau. Très bien, Nina. Alors combat-moi et montre-moi ta détermination. C'est un magnifique chevalier rose. Alors, sors. Étant donné que c'est un... Attendez, laissez-moi réfléchir. On va partir sur un froid 2. Et j'ai l'agilité, je commence donc. Et c'est une très bonne nouvelle. 148, parfait. Attaque moins. Balek. Et je vais continuer à bourrer le froid. Le froid 2, c'est ce qui a l'air de marcher sur, sur elle. Si jamais il y a problème, de toute façon, niveau point de vie, je peux me régénérer. Ah bah c'est bon, terminé. Point. Quel combat? Excellent, Nina. Prends ceci. Nina a obtenu le saut de l'aile. Ok. Bon, on se connaît? Oh, tu es... Félicitations, Nina. Je suis ton arrière grand-mère. Mamie! Grand-mamie! Nina, c'est exact. Je suis ton ancêtre. Mais tu me ressembles vraiment quand j'étais jeune. Pourquoi mon ancêtre? Nina, le fait que c'est de ma faute si notre famille ne détient plus les pouvoirs du grand oiseau. Parce que... Je suis tombée amoureuse d'un homme d'une autre tribu, et j'ai affaibli le pouvoir de notre tribu. C'est affaibli nos pouvoirs? Oui, nous avons lentement perdu notre héritage. Waouh, quel sound design! C'est pourquoi personne ne pouvait plus utiliser ses pouvoirs. Dis-moi, Nina, est-ce que tu vas réellement te transformer pour protéger les gens que tu aimes? Oui. Tu t'en sortiras. Je suis sûr que tu seras capable d'utiliser ses pouvoirs. Avec ta détermination, tu es la personne la mieux placée pour utiliser ses pouvoirs. Et elle vole. Bon, elle vole. J'ai encore une chose à te demander. Est-ce que tu me pardonnes d'avoir sacrifié les pouvoirs de notre tribu et d'avoir choisi un homme d'une autre tribu? Oui. Merci. Et je fais quoi maintenant? Je peux me barrer? Non. Oh, c'est sérieux?
Nous devrions admirer le courage de Nina pour obtenir un pouvoir des grandes ailes. Très bien, donc en fait, je meurs, tape le chemin inverse. Et si j'ai un combat, c'est pour moi. Hop là, impeccable. Allez, on sort. Évidemment, un petit combat avant. Sinon, c'est pas drôle. Oh. Yeah, j'ai encore gagné de l'XP. Veux-tu retourner avec les autres? Oui. Donc là, j'ai un truc. Si je vais dans rare, j'ai le saut quelque part. Je dois avoir le saut, bordel. Il est où le saut? Ah, voilà, les preuves. La preuve, elle. Donc je vais sortir et puis on va s'arrêter là. Ah mais elle a tout ses PV. Oh mais elle a tout, parfait. Elle sert à gêne. Donc oui évidemment il va falloir tout remonter. Ah bah le watch time, écoutez. Jusqu'au bout. Le jusqu'au boutisme de cet homme. Et on sort par là. Et je le savais, je l'ai su à l'instant où j'ai marché. C'est long, c'est très très long. Arrêtez de me donner des combats. Je vous assure, faut arrêter, messieurs dames. Ah bah Ical niveau 24, parfait, deux niveaux pour Ical. C'est une très belle épine du pied qui est en train de s'enlever tout doucement avec ce level up. Et évidemment les gardes. Parce que je sais pas pourquoi c'est là. Si vous avez des réponses à cette question, je prends. Mais zéro dégâts en corps à corps. Bah parfait, bah très bien. Bah casse-toi, connard. Allez, on est sorti. Yes. Oui, tu es sorti, c'est trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous attend? Blablabla. Et bah c'est parfait. Et bah écoutez, je vais m'arrêter ici. Je vais me foutre, voilà, juste devant l'arène. Et on reprendra là pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cet épisode de Breath of Fire 2. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like, ça fait plaisir. Vous pouvez prendre évidemment la série en cours depuis le début grâce à la playlist qui se trouve sur la chaîne. Si vous avez des suggestions ou des petits pro tips, les commentaires sont là pour ça. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite des vidéos tous les mercredis à 15h30, c'est le rendez-vous de la chaîne. Je fais d'autres contenus que vous pouvez aller voir. Suivez-moi sur Twitter et Instagram pour raconter un peu ma vie et abonnez-vous tout court pour la suite. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.